Bonjour à tous. Alors bon, ce dimanche, bien qu'il ne soit pas commun de travailler, les choses de Dieu et la science restent constructifs et ne me fatiguent pas spécifiquement. Surtout une prière, un témoignage du dimanche. Et là, j'en arrive à un sujet important, la sociologie. Justement, alors je lisais un article dans un magazine très connu parlant de ce phénomène moderne qui est la levée du tabou sur l'homosexualité, le fait qu'on en parle aujourd'hui. Ce phénomène s'est présenté notamment dans les émissions de télé-réalité et les réseaux sociaux comme étant un phénomène un petit peu à la mode. Il était cool d'être gay à un moment donné. Aujourd'hui, je sais pas. Je saurais pas dire si c'est cool. En tout cas, c'était l'époque Génération Stevie et tout le bazar. Jusqu'à ce qu'ils aient des droits et à ce moment-là, la mode a commencé à passer. Voilà ce que j'en pense. Un phénomène sociologique assez intéressant, étudié par un sociologue, est qu'il existe des gens qui sont homophobes, mais pas racistes. Muslim friendly. Et l'inverse, des gens qui sont racistes, mais pas homophobes. Gay friendly. Un phénomène de société qui existe, qu'on a tous déjà rencontré dans sa vie. Qui va bien sûr montrer encore plus à quel point quelqu'un comme moi, métisse, va les déranger. Ou me classer. Sachant que je ne suis pas musulman, mais je suis potentiellement gay. Enfin, quoi que je dise, ça ne sert à rien. On a décidé que j'étais gay pour leur érection. C'est leur érection, c'est pour ça que je suis gay seulement. Sinon, j'ai deux beaux enfants, une belle femme, pas de problème à ce niveau-là. J'ai aucun problème avec la gente féminine, bien au contraire. Je n'accepte pas ce qui est interdit par la Torah, l'évangile, la prostitution, ça, c'est pas mon truc. Du coup, c'est le mariage. Et c'est dans ce témoignage du dimanche que j'ai rendu. Bah, je fais aussi un témoignage sociologique. Il faut se poser des questions sur l'éthique de ces comportements. Ça ne doit pas être tabou, mais ça doit être présenté comme normal, si on veut que ce soit normal. C'est tout ce qu'il faut faire.